19h, The Big Game of Ski, ça commence maintenant avec un invité de marque ce soir. On va jouer à un jeu, je tease un peu l'invité, hein, mais on va jouer à un jeu que vous avez déjà vu avant, Vasara. Rien à voir avec le peintre Vasari, c'est pas du tout la même époque et pas du tout le même style. Et ce soir, on accueille le grand Nick, Monsieur K, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir en invité pour jouer dans The Big Game of Ski. C'est sûr qu'il n'a pas d'après-midi chez Bazar et Lille, en plus. C'est possible, non. Ah non, c'est moins géométrique quand même. C'est pas le même continent, de toute façon. Et donc, Rookmouth, pendant ton émission, là, comment ça s'appelle? The Big Game of Ski. Je connais pas. On va jouer à quoi? Vasara, t'as dit? Vasara, alors, on a déjà vu deux épisodes par le passé sur la chaîne, et là, on va voir le troisième épisode, alors avec une vue un peu particulière, on va voir un peu ce qui se passe. Et on va tenter le mode à deux, et il y a moyen de s'éclater, surtout avec la poussette. Mais dis donc, t'es connaisseur, il me semble, ça te dirait pas de reprendre une chaîne? Bah j'en ai déjà une, qui me prend énormément de temps, mais bon, je pourrais t'inviter plus souvent si tu veux. Ok, on va faire ça. Bon, on va prendre des forces d'abord. Oui, c'est sacré dans TBG, vous savez très bien que quand il y a un invité, en général, on fait des efforts, on sort les gros... Comment on dit déjà ce terme? J'ai pas de servir en plus. On met les gros canapés dans les petits, quoi. C'est exactement cette expression-là qui est utilisée généralement. Exactement. D'ailleurs, on va dédier cette émission à toi, Médoc. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu sois tout seul à trinquer. Et aujourd'hui, effectivement, on va partir dans ce remake de Vasara, tout récent sur PC, avec une belle collection, puisque la version de base, que vous avez déjà vu en stream, assez génial puisqu'elle reprend trait pour trait la version originale. Le Vasara 2 est parfaitement réussi lui aussi. Et on va donc découvrir ce mode supplémentaire qu'ils ont osé rajouter dans le jeu. Osé. Ouais, ils ont osé. On peut dire osé parce que ça va contrarier beaucoup de monde. Vasara, c'est quand même un vieux shmup vertical, donc on a le mode écran à la verticale, le mode date pour les connaisseurs. Et là, on va passer dans un mode qui est en pleine largeur, donc c'est très très choquant. Et un autre truc qui va choquer aussi le monde, ces magnifiques sprites et ce pixel work de ouf qui a été fait, ça va être tout transformé en 3D, et ça peut contrarier certaines personnes. Bah toi, ça a tendance à te contrarier, à te choquer, mais pas moi, ça a tendance à m'intéresser justement. Toi, t'es un new school, hein. Je sais pas si on va y arriver aujourd'hui. On va voir, c'est la première fois que le test avait vraiment une découverte pour moi, mais ça a l'air sympa. Je vais faire un petit réglage balance quand même avant. Et on devrait être bon. Alors, Vasara Classics, on les a fait. Nous, on va passer sur le Vasara Timeless. On y go ? Eh ben, c'est parti pour le mode Vasara Timeless. Donc on fait collaboratif, on a dit, pour le premier. On commence par collaboratif pour découvrir un peu comment ça fonctionne. Ah, t'as fait, t'as appuyé avant moi, donc tu seras à gauche. Ah, je serai à gauche. Mais moi je vais garder le côté gauche, je suis à gauche en face de l'écran. Ah ouais, non mais ça rajoute un peu de difficulté. Respecte The Elder. Donc là on va commencer en mode collaboratif. Donc le choc, c'est tout en 3D. Ce pixel work était magnifique, il vient de basculer dans une 3D monstrueuse. Et les puristes, oui je sens votre malaise, puisque on n'est plus en vertical, en mode Tate. Non, on est en horizontal, en full screen. Ça laisse plus de place. Bah oui, vu la vitesse des boulettes, tu vas chercher un truc à bouffer là. Oh, ça peut le faire, je pense. Après, ouais. C'est vrai que si qu'on regarde bien, qu'on regarde les sprites, bon, c'est pas ça. Mais ça a son côté sympa, je trouve. Toi, t'es fan des décors parce que ça donne à relire, c'est ça, avoue-le. Mais c'est le côté jeune.
la nouveauté, c'est un peu le... C'est sympa, ça a de la gueule quand même. Ce fond 3D... Moi je vais faire le con, j'aime pas. Bon, ça, de toute façon, avant de lancer, on savait que t'aimais pas. Mais... J'aime bien la 3D, mais la 3D qu'on avait utilisée intelligemment ou pas. Il y avait un pixel war sur le jeu original qui était tellement magnifique que... On se dit, mais pourquoi ils ont bossé ce mode à part? Pourquoi ils ont pas repris la bombe de Sprite justement d'origine pour, Alors c'est vrai que la bombe de Sprite du mode arcade est vraiment vraiment chouette. Et comme on en parlait en off, hein, les deux gros points de ce jeu sont sur le côté poussette, hein, avec les vaisseaux ennemis, comme on voit là, je vais me faire pousser, et comme on pourrait le faire entre nous, mais là on est en aspect collaboratif, et la charge aussi. Qui ajoute vraiment quelque chose de sympa. Alors pour le moment, sur ce mode là, on voit pas trop l'utilité de la charge. Voilà. Et de la poussette. Mmh. Contrairement à l'arcade où vraiment ça ajoute quelque chose en plus. Ah, c'est la longueur des tirs quoi. On a plus de chances de se prendre un tir vraiment long qu'on a oublié 15 secondes en arrière que de se prendre un réel tir méchant. Voilà. Ah par contre, j'apparais du mauvais côté. Alors ça. Oh, je vais le pousser lui. Ah, non, lui on peut pas le pousser. Et lui nous pousse par contre. Il veut pas, hein. Ah c'est vrai que pour moi, le vrai premier point négatif, en dehors du reste, c'est vraiment la réapparition après une mort. Ne pas réapparaître à l'endroit où t'es mort. Ne lâche pas ta charge. Merde. J'ai tout lâché, trop tôt. Ça me rappelle quelqu'un, mais c'est pas grave. Belle animation en 3D. Et là, on peut lâcher, c'est parti. Pourquoi il tire que vers moi? Et alors? Pourquoi il tire que vers moi? J'ai l'impression qu'il t'a ciblé dès le début, parce que moi j'ai la paix. Non mais... Attends, hop là. Je te le laisse, je sens que t'es plus nombreux que moi. Ah, j'ai le micro devant qui me jette. J'ai à ton côté, il va peut-être te rendre... je peux pas passer quoi. Bah non, il est gros, il est épais, il mesure quoi. Viens. Deux secondes, t'arrives. Ouais, il s'occupe de toi de ton côté, hein. Bon, mais je sens qu'il aime bien. En fait, il prend en faveur le mec qui a le plus de vaisseaux en rab. Donc on a crevé un, déjà. Ah, je crois que j'en ai même crevé deux, hein. Ah, on m'a tué. Oh, non. Ah bah, c'est la mort. Et c'est fini pour moi. Non, pas de... Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de crédit, et on est vraiment sur du timeless, quoi. C'est-à-dire que tu te débrouilles tout seul, maintenant. Et du coup, j'irai beaucoup mieux, t'as remarqué? Pas pour le moment. Ça passe. C'est ce que me disait Nani, il n'est pas bon, mais... Ça passe. Non, ça passe pas. Et voilà. J'ai pensé à Christiane. Salutations. Et là, par contre, c'est vraiment le game over direct, quoi. What? Voilà. On recommence direct dès qu'on a perdu nos vaisseaux de base, quoi. Bah, pas de crédit, rien du tout. On est en timeless. Ah, merde, je suis encore passé. On fait un test, on vérifie, on regarde les menus, on navigue un peu dans les trucs. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tu te mettes côté gauche. Tu sais ce qui arrive quand on n'y arrive pas? Et oui, voilà. C'est l'heure. Ah, voilà. Ça, c'est l'élixir des samouraïs. Maintenant, je pense qu'on va gérer le jeu. Là, ça devrait mieux le faire parce qu'on a chacun de notre côté. Hein. Je vais prendre TP en plus jeune, ce sera mieux. Alors, toi, tu prends de la puissance et pas de vitesse. Bon, allez, les vieux, les réflexes. On va faire l'inverse. On va prendre la vitesse et pas de puissance. Alors ce mode est complètement zarbillé. Alors moi j'évite, je me balade et toi tu te démerdes. Ok, moi je fais le tanker. Toi t'es le sniper, moi je suis le tanker. C'est parti. Wish, Lorraine. Wish, Lorraine.
Bon, le début est toujours tranquille, hein. Ouais. Bah, c'est la vitesse de tir, hein, quand même. Abusé, quoi. Alors, c'est quand même abusé cette histoire de mettre un game over en fait, avec 3 vaisseaux de base. C'est un peu le fun quand même. Bah, c'est vrai que c'est. Bah, on va voir. Voilà. Alors là, on voit la poussette, hein. Même les ennemis qui peuvent te pousser vers les boulettes. Alors, le problème là-dessus, c'est que ouais, on va vraiment voir comme ça, mais si en jouant à plusieurs, il y en a un qui s'arrête et qui se retrouve tout seul à jouer, c'est un peu dommage. Bah, surtout que on imagine qu'on aborde ce genre de mode-là, on dit que c'est un parti, quoi. Faut que tout le monde puisse jouer, donc tout le monde puisse rajouter des crédits. Et se retrouver comme des couillons, bah non, t'as passé tes 3. Ouais, je me barre, lui, il est gros. je me barre courageusement, regarde. Et voilà. Échec. Ah. Non, mais je viens de ton côté, ça a l'air pas mal. Je crois qu'il cherche un peu. On s'en est pas débarrassé, mais il a fui courageusement. Pousse-toi, c'est mon côté. Pousse-toi, c'est mon côté. J'aimerais bien passer de l'autre côté. Mais donc, je disais, ouais, moi, je trouve ça bizarre quand même que sur un mode qui est plus dédié partie, genre t'es à l'apéro, t'as des potes, tu veux leur faire découvrir Vazara, partager un petit moment multi où ça va être un peu nawak. Le jeu te dit, t'as tous 3 vaisseaux et puis après tu vas mourir quand même. Mais il a l'avantage de, contrairement à l'arcade, d'être tranquille au début. Bah oui, t'as pas de pattern, voilà. C'est simple, tu bourrines, ça avance. Je relâche pas. Tu remarqueras, je l'ai pas lancé. Pas. Ah, et là j'attends je encore. Je lance, voilà. Non, j'attends encore. On va voir une belle animation 3D. Voilà, on boit un coup. Ah, c'est le seul vaisseau des boss qui me fait rire, quoi. On dirait qu'il est tout en plastoc qui a été fait par Fisher Price. Alors c'est moi qui ai été ciblé, donc... Ah et par contre là voilà, j'atterris au milieu maintenant. Ça c'est check. Alors, faut rester au milieu là. Je sens se mettre des coups. C'est important, donc tu passes devant moi, derrière moi, mais tu restes pas sur le côté. Et ben voilà, c'est exactement ce dont on parlait. Je suis game over. Je n'arriverai jamais à t'emmener à ce deuxième niveau, ce n'est pas possible. Le soupir a tout résumé. Exactement. C'est vraiment dommage que... Pourquoi, sur un mode multi, tu empêches tes collègues, qui sont pas forcément aware du jeu, de partager ce bonheur d'avancer avec toi. Quitte à les faire revenir sur le niveau d'après. Exactement. C'est pas normal. C'est quoi ce tir de ouf que j'ai? J'ai jamais vu ça. Mais le vaisseau va tout faire tout seul. Moi, je fais plus rien. Tiche. Donc, il y a un côté rendez-vous raté sur ce mode timeless. Ah, une frustration, surtout. Où t'es là, tu fais, bah, l'équipe de dev s'est fait plaisir en faisant son propre mode, et elle a fait plaisir qu'à elle, pas au joueur, quoi. Et c'est moche. Parce que là, en plus, j'ai un tir de ouf, quoi. Genre, à part me jeter sous une boulette volontairement moi-même, je vois pas comment je peux crever. Bah, je vais y arriver parce que vous êtes bien dans le TDG, mais... J'arrive. Ouh, ça passe juste. C'était pour voir si j'y arrivais. c'est une requête de mes durs. J'ai une vie en plus. Je peux pas la filer à mon collègue, la vie. Je suis dégueulasse. Donc non, je comprends pas ce que la team dev a voulu faire avec ce mode timeless qui va beaucoup plus frustrer les gens que faire plaisir. Parce que du coup, bah, on peut pas se faire un jeu vraiment en multi. Il y a que le gars qui connaît un petit peu le jeu et son fonctionnement qui va s'éclater. Et les potes à côté vont regarder, on arrête de boire des canons d'ailleurs. Et laisse-moi des petits gâteaux aussi. Oh là là, non mais je me fais bouffer tous les petits gâteaux. C'est d'un côté aussi l'avantage de ce jeu là pour ça. Bah non, mais c'est que là on peut profiter aussi. Donc là, bah, une fois qu'on est parti, on profite, on est tranquille. C'est un motif de bannissement, ça, c'est pas possible.
En plus, le décor ne semble pas avoir changé des masses depuis le premier niveau. Donc Timeless sur un niveau, et des sprites en 3D, tes potes qui peuvent pas revenir alors c'est censé être du multi. Faute, je dis faute. Oui, mais on peut profiter des décors 3D quand même. Là, c'est quand on ne joue pas. C'est moche. Ah, ça a quand même de la gueule. Non, non, le principe est moche, je parlais pas du tout. Ah, le principe. Et on a le même boss. Oh, il a changé de couleur. J'arrive pas à le crever non plus. Ah si, je l'ai eu. Frag. Comme quoi, tu me mettais parfaitement inutile, hein, Rookmode. Comme de la méchanceté gratuite. On voit que le côté multi de ce jeu-là est de pousser l'autre vers la sortie le plus vite possible pour en profiter tout seul. Voilà, je profite du désert, je crois. Je relâche quand? Maintenant? Non. Non, là, t'as une animation encore. Maintenant? Non. Maintenant? Ouais, c'est le piège. Et maintenant? Et non. Et maintenant? Et voilà. Ça me rappelle une amie qui me disait pareil avec le sable. Et du coup, on reste sur le premier niveau, mais c'est d'une connerie affligeante ce mode. Alors, je crois que c'est triste à dire, hein, mais on va boiter quand même les gens qui ont fait ce remake, qui ont fait un travail extraordinaire sur la partie refaire le mode arcade à la perfection, mais qui là sont passés totalement à côté des opportunités de rendre le jeu génial. Quoi. Après, on va voir, on va essayer la prochaine partie en mode pas collaboratif, et à se mettre sur la tronche, hein, en gros. Il y aura une prochaine partie, tu crois, toi? Ouais, il faut qu'on essaye en se mettant sur la tronche, quand même, voir. Peut-être que l'intérêt est là-dessus. Les collisions, la poussette, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Ah, ça passe. Tranquillement. Ah bah, les vieux, c'est les techniques, hein. Merde. Ah ouais, ça fonce dedans aussi, les vieux, ouais. Oui, Schloren. Ça fatigue. Bon, c'est le rhum, ça. C'est le rhum. Par contre, le game over est direct. Quoi. Tu veux faire un mode fight? Ouais, on va faire un mode fight. Tu veux vraiment essayer ça? On va faire un mode fight, voir si on peut prendre du plaisir en faisant le jeu à notre façon. Ok. C'est qui le troisième? Madame, qu'est-ce que vous faites là? Non, restez sous la table, c'est bon. Hop, 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 on y retourne. Ils vont savoir tous les secrets backstage après, c'est moche. Je suis passé en 1. C'est pas grave, je vais prendre un vaisseau débile maintenant. C'est quoi ça? Ok. Ok, d'accord. Je suis trop jeune pour ça. Non. Et je suis Seriubo. Parce que je suis Seriubo. Et beau. Seriubo. À la fois. Alors là, on va utiliser de la gâchette pour se pousser, je pense. Non, non. Je suis sorti de l'écran. Ça commence bien. Donc oui, mode timeless, on est passé à côté de quelque chose, hein, c'est dommage. Enfin, on est passé. On a l'impression que ça a été développé par l'équipe de dev sur son temps perdu. Qui s'est dit, voilà, on va se faire ça pour s'amuser. Puis ils ont fait, oh, on va l'incorporer dans le jeu quand on le vendra. Et c'est con parce qu'ils auraient passé un peu plus de temps et... Désolé. Ils auraient passé un peu plus de temps. Vous voyez bien que le jeu avec les poussettes, là, c'est parfaitement ignoble. Pourquoi j'ai des grosses boules? ne commente pas. On y arrive mieux qu'on se fight mutuellement, en fait. Alors, je suis pas convaincu non plus. Mais c'est rien. J'ai fait une dessous tout seul comme un con. Ah, je sais plus où je suis. Le problème, c'est qu'on s'occupe plus trop de ce qui se passe, quoi, quand on des fois, je me confonds avec toi, du coup. Ouais, alors, c'est vraiment un truc que j'ai reproché là-dessus, c'est que je... Difficile à se retrouver, quoi. Je te le laisse, hein, il est venu pour toi, allez. Aïe. Mais tu fais double cliché, tu vas le finir, celui-là, je crois. Je suis pas tout seul, là. Non, pas longtemps, je pense. Non, pas longtemps, tu seras tout seul, je pense. À moins que quelqu'un te pousse comme ça, ou comme ça. Mais moi je suis pas comme ça. Bah, c'était à moi ce bonus. Oula. Non, c'est un rendez-vous raté ce mode timeless, c'est dommage quoi.
sorti du décor qui était magnifique, comme tu dis. Ah, moi j'aime beaucoup le décor. Les sprites sont un peu pouilleux. Ouais, si tu regardes dans le détail. C'est poussive. Et tous les côtés fun qu'il avait développés, ben, ils y sont pas. C'est moche. Non, mais c'est vrai qu'on prend vachement plus de plaisir sur la version arcade. Et c'est possible à deux en arcade ? Non. Non. Vezara, c'est une expérience solo. C'est un truc de samouraï, quoi. Ouais. Le samouraï n'a ni ami ni fiancé. Le samouraï, il est là pour. Il prend son chemin et il le suit, quoi. C'est connu depuis des millénaires. Ah oui, c'est vrai que c'est des petits samouraïs sur des motos, ouais. Faut des motos, ce que tu veux. Ce que tu veux, quoi. J'y vais, là. On va le couicher, lui, parce qu'il a l'air super énervé. Alors, c'est vrai que là, on laisse de côté un peu le côté bataille entre nous, hein. Ah bon? Non. Non. Pas vraiment. Je vais t'essayer de finir, je crois. Ok. J'y vais. Allez. Et ben voilà. Non, ouais. Mais j'ai foncé dedans, j'ai pas envie de perdre de temps, le but c'est de jouer en multi. Ah bah. C'est pas de jouer tout seul, c'est triste sinon. Voilà. Donc Vezara, Timeless Mode, purement dispensable, c'est fait pour décorer, ça amusera un petit moment. Puis quand vous aurez vu, comme nous, bah, que l'équipe est passée à côté de tout ce qui pouvait rendre ce mode super marrant, c'est vraiment surprenant d'avoir des gens qui aient raté le coche à ce point-là, quoi. C'est con, parce que sur le papier, ça donne vraiment envie, hein, ça me... Mais là... Bon, un mot de la fin. Quand même une grosse déception, une frustration surtout. C'est ça le terme plus important, c'est la frustration sur ce jeu-là. Et c'est bien dommage parce que c'était quand même pas mal au premier abord visuellement et au niveau de la gueule du truc. Puis la possibilité de jeu derrière en multi, à moyen de faire quelque chose pas mal. Et je pense que rien que le fait de le faire en mode timeless, sans crédit, etc., c'est dommage. D'avoir mettre un peu plus de boulettes, comme en arcade, plus de patterns, etc., et puis laisser la possibilité de mettre du crédit et puis de... Enfin, le but c'est de s'éclater, quoi, c'est pas de se prendre la tête non plus. Donc c'est purement dispensable, ce mode-là. Si vous achetez Vezara Collection, sachez que vous l'achetez pour les deux remakes des versions arcade, le mode Timeless, à moins que vous ayez ça sous la main, il vous sera purement inutile. Et encore. Ouais. T'en veux d'ailleurs, toi ? Pour clôturer ça, je pense que... Donc, on refait les niveaux, on vous laisse avec les deux playlists habituelles et le bouton d'abonnement, n'oubliez pas, tout bientôt. Merci à toi, Rookmood, d'être passé, ciao. Bah merci à toi d'être venu dans mon émission, surtout. C'est génial, maintenant j'ai refilé le bébé, je vais pouvoir le tirer en réponse.